Le PAGEF entendait projet d'appui à la gestion économique et financière et son partenaire, le ministère de l'Économie et des Finances, ont initié un atelier d'examen et de validation de la politique nationale d'évaluation et du plan d'action sur 3 jours. L'objectif, restituer et valider les travaux relatifs à la politique nationale d'évaluation et le plan d'action instituant l'exercice de l'évaluation des politiques publiques qui accompagne le cadre institutionnel. Diane Kablankan et Richard Akeke. Dans le cadre de ses activités, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, avec son partenaire, le ministère de l'Économie et des Finances, a organisé le mardi 29 mars un atelier d'examen et de validation de la politique nationale d'évaluation et du plan d'action qui durera 3 jours, visant à restituer et valider les travaux relatifs à la politique nationale d'évaluation et le plan d'action instituant l'exercice de l'évaluation des politiques publiques et accompagnant le cadre institutionnel élaboré. Cet atelier s'est déroulé en groupe de travail, en session plénière conduite par un pilote. Alors, l'évaluation des politiques publiques est un instrument qui permet d'améliorer la prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Bien évidemment, quand vous évaluez, ça permet d'examiner la mise en œuvre, ensuite d'évaluer la performance même de la politique, les résultats prévus, est-ce qu'ils ont été atteints? Et quelles sont les dispositions, les mesures à prendre pour corriger l'action qui a été menée et surtout pour mieux planifier l'action à venir? C'est donc une activité entièrement soutenue par le projet d'appui à la gestion économique et financière afin de doter le pays d'un important cadre de gestion et de reddition de la politique publique. Ce sont entre autres le cabinet du ministère du Plan et du Développement, la direction générale du Plan et de la lutte contre la pauvreté, la direction générale de l'aménagement du territoire, du développement régional et local, le Sénat, l'inspection générale d'État, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, la Direction du Contrôle Financier, le ministère de l'Économie et des Finances, l'équipe du PAGEF et bien d'autres qui ont participé à cet atelier. Débuté le mardi 28 à la Golden Palace Hotel de Grand Bassam, cet atelier connaîtra son apothéose le 30 mars.